dimanche qui a précédé l'interview, Dany Laferrière était l'invité d'honneur de ses confrères écrivains haïtiens à Montréal. Il y avait foule dans un tout petit local et assis sur une vulgaire chaise d'écolier, l'académicien français était face à tous ceux qui venaient lui rendre hommage. Très émouvant. Lorsqu'il a rejoint son comptoir où tous ses livres, ses romans étaient rassemblés, je me suis dit « quelle simplicité ». Et puis, une semaine plus tard, je l'ai vu arriver chez moi avec son épouse, Maggie. J'étais très impressionné. Dany Laferrière a touché à tout, écrivain certes, et avec quel talent, mais aussi journaliste à Radio-Canada et réalisateur de films, un homme qui sait donc ce que l'expression veut dire. Pour moi, Dany Laferrière est l'expression même du « nouveau monde », pas limité à l'espace américain du Nord, mais qui correspond très exactement à ce que la planète est en train de devenir en ce moment. Dany Laferrière est un écrivain voyageur, au plein sens du terme, parce qu'il est toujours en constant déplacement à travers le monde. C'est un migrant perpétuel qui sent la nécessité de s'installer partout. Je pense que c'est un peu de cette façon qu'il s'est installé à l'Académie française, tout à fait naturellement, parce que pourquoi pas ? Ma première question était bien sûr liée à l'actualité, parce que depuis quelque temps, les réfugiés, comme on dit, inondent nos écrans et bouleversent nos infos. Vous êtes un immigré. Moi, j'aimerais savoir quels sont les sentiments que vous éprouvez en ce moment, parce que ces réfugiés, ils ne sont pas seulement syriens ou irakiens, il y en a aussi partout en Afrique. Il y a plusieurs millions de réfugiés dans le monde et on prend conscience de ça seulement depuis quelques jours. Oui, mais il ne faut pas personnaliser le problème parce qu'on a tous bougé. C'est le propre de l'homme de bouger de son espace à travers l'histoire et tout a été fait. Je ne sais pas si ça a été fait aussi massivement aujourd'hui, mais les individus aiment beaucoup voyager, aller d'un endroit à l'autre, des fois poussés par la misère, par des histoires de religion, des histoires politiques, des fois pour leur grand plaisir. On avait remarqué que jusqu'à pas très longtemps, celui qui voyageait était souvent quelqu'un de plus riche et qui partait d'Amérique ou d'Europe et qui allait dans des pays plus pauvres en visite. Mais maintenant, ce sont les pauvres qui se déplacent et qui vont vers les pays les plus riches. Et c'est un mouvement qui est beaucoup plus durable ou qui dure plus longtemps. Le voyageur d'avant, il restait quelques jours, des fois quelques mois, dans le cas d'ethnologues, peut-être plus longtemps. Mais les gens qui viennent, ils changent de vie. Et c'est ça qui est nouveau. Et ils sont reçus dans des conditions extrêmement précaires, extrêmement difficiles. Et on ne leur apprend rien, on ne leur dit rien. Ils savent à peine où ils atterrissent. Et ils sont accompagnés d'enfants, de bébés parfois. Ils n'ont aucune idée de ce que l'avenir leur réserve. Le seul avenir qu'ils ont, c'est celui d'avoir pu quitter ce qu'ils appellent une condamnation immédiate, une mort dans leur pays, pour aller dans quelque chose qu'ils ignorent. Cela devrait toucher tout le monde, et non pas seulement des gens qui ont dû quitter leur pays, comme moi, il y a 40 ans. Et je crois que c'est vraiment un événement qui touche la condition humaine et qui sort des clivages où on avait autrefois des histoires de race ou des histoires de religion. C'est vraiment la foule humaine qui est en mouvement et ça devrait toucher. Et poser même la question que je me suis posée, si le monde n'est pas de plus en plus divisé entre nomades et sédentaires. Il y a une sorte de simplicité de la situation qui fait que tout le monde est concerné. Là, vous avez donné beaucoup de hauteur à votre réponse, mais c'est à vous, l'immigré, que je pose la question. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, ces mouvements de population, dans votre fort intérieur ? Ça a une résonance particulière quand même, une différence avec la mienne par exemple. Je ne réponds jamais sur des questions personnelles, et ni d'émotions aussi, parce que ce qui se passe dans le monde est tellement grave qu'il faut éviter de personnaliser les réponses. Et je crois que j'ai quitté, et c'est très très difficile de diriger une aventure personnelle, et parce que j'ai quitté à 23 ans, et Port-au-Prince, dans des conditions extravagantes, sous une dictature
et celle de Duvalier, papa Doc et c'est tonton fils, Macoute. Et son fils, Baby Doc, et c'est tonton Macoute. Mais j'avais 23 ans et j'avais toujours su que j'allais quitter un jour Haïti, puisque les gens aiment beaucoup bouger. Ce n'est pas parce qu'Haïti était en difficulté, parce que c'était pauvre, c'est parce que j'ai envie de voir le reste de la planète. Donc, arrivé à 23 ans dans un pays d'Amérique du Nord, à Montréal, ville très calme, accueillante, et je n'avais aucune obligation, pas de femme, pas d'enfant, ma mère allait bien, ma sœur était encore à Port-au-Prince, et je ne peux pas dire que j'ai été exilé, je dis plutôt que j'étais en voyage. Ce n'est pas la même situation qu'un autre groupe, par exemple d'Haïtiens qui arrivent à New York, et une famille entière qui devrait quitter du jour au lendemain, laisser tout ce qu'ils avaient, et qui arrivent avec une responsabilité où du jour au lendemain, le père, la mère doivent trouver du travail dans des conditions aussi difficiles, qui étaient médecins, qui doivent se faire chauffeur de taxi ou balayeur dans un... J'ai fait tout ça, mais c'était une aventure pour moi. Au contraire, je ne peux pas me placer dans la collection d'immigrés parce que pour moi, le mot immigré a une résonance négative dans le sens que douleur, souffrance, alors que pour moi, c'était la découverte du vin, la découverte des conversations, la nuit, des nuits sans revolver, et c'était plutôt une récréation qu'une punition. Vous êtes tout de même parti après qu'un de vos amis ait été tué, mais je comprends ce que vous dites, alors, parce que maintenant, vous avez, quels sont les passeports avec lesquels vous voyagez ? Ah, le passeport canadien, tout simplement. Uniquement. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une double nationalité et en Haïti. Et donc, je n'ai pas de double nationalité, j'ai une nationalité canadienne. Parce que vous partagez votre temps entre Montréal, Paris et Port-au-Prince. Et d'autres pays aussi, puisque je voyage beaucoup, c'est le principe même, c'est pour ça que je me suis fait écrivain, c'est pour rencontrer des gens. Et je partage mon temps entre ces trois villes-là, comme vous dites, et aussi là où l'on m'invite. Parce que un livre, c'est comme ça, vous l'écrivez, s'il plaît. Et vous suivez. Je suis mes livres. Alors, est-ce que ce n'est pas dans la nature du Haïtien que de voyager un peu partout par le monde, comme ça, de s'installer ? Moi, j'ai connu des Haïtiens au Sénégal qui résidaient là-bas. J'en ai connu en France. C'est une particularité de cette île, non ? Ce n'est pas une particularité de cette île. C'est une particularité de son histoire. C'est-à-dire que quand vous allez dans des îles de la Caraïbe qui ont tous été des îles de colonisation, donc à chaque fois qu'on a été colonisé par l'Espagne, par l'Angleterre, par la France, par le Portugal, eh bien, ou par l'Allemagne, et ce qu'on fait, c'est qu'on retourne à la métropole, même quand le pays se trouve un peu indépendant. Donc à la Jamaïque, on a un rapport avec Londres, on a un rapport avec Madrid, on a un rapport... Pas Haïti, parce que d'abord, ça fait 200 ans qu'on est indépendant en Haïti, et aussi par une guerre coloniale. Donc, ça n'a pas été fait par des discours et des confettis, ça a été fait vraiment arraché. La première fois dans l'histoire humaine qu'un groupe d'individus se sont révoltés, ont chassé le colonisateur et se constitué en pays indépendant. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas d'axe colonial, on n'a pas Port-au-Prince-Paris. C'est un chien sans laisse, l'haïtien. Il n'a pas de laisse. Donc, il va où le vent l'amène. Et c'est l'être libre, et par excellence. C'est pour ça que, même si les conditions économiques et politiques sont difficiles, conditions instables politiquement et dramatiques parfois en Haïti, j'allais dire atmosphériques même, puisqu'il y a les cyclones, il y a les tremblements de terre et tout ça, mais l'Haïtien reste un être libre, et c'est l'un des rares dans la Caraïbe qui va où il veut. 1 million, à près de 1 800 000 à New York, à Miami et près de 400 000, et 200 000 au Québec pendant un moment, en comptant tous ceux qui sont nés après aussi. Et en Martinique, Guadeloupe, 12% de la population, Belize, plus de la moitié de la population, Saint-Martin, et en France, à Paris, en Italie, et en Afrique, au Congo, vous l'avez dit, et il va partout, il les sème. C'est quand même étonnant que cette petite île minuscule, une presqu'île, puisque l'autre moitié est occupée par la République dominicaine, et puisse avoir s'essaimé à ce point sur la planète. Je crois que tout part de ce point focal de l'histoire, où ils se sont libérés de toutes les chaînes
y compris celle de la mémoire, c'est-à-dire de se rappeler que c'est Paris la capitale ou la métropole. Il n'y a pas de métropole à part Port-au-Prince pour les Haïtiens. Alors, vous n'êtes pas l'auteur de récits de voyage, a priori, mais est-ce que vous êtes un écrivain voyageur ? Ah ben, je suis l'auteur d'un grand récit de voyage, celui de ma vie, qui ne fait que bouger. C'est-à-dire, il y a des voyages aussi identitaires. Quand je déclare, par exemple, que je sens un glaçon dans mes veines en ce moment, c'est le plus grand voyage qu'un être humain puisse faire. Passer d'une identité à une autre, ça prend 40 ans, ça prend 30 ans au minimum. C'est-à-dire passer du chaud éternel en Haïti, de l'été éternel, à l'hiver presque éternel au Québec, s'apprivoiser, ne pas être angoissé. Et quand l'automne arrive et les feuilles, c'est ça qui m'angoissait en arrivant au Québec. C'était même pas la glace, c'était le fait que les arbres devenaient nus, s'effeuillaient à l'automne. Je n'ai plus cette angoisse. Et disons que je suis aussi devenu un homme du Nord, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça prend une arrivée au Québec, un retour à Miami et 12 ans, et revenir. Vous savez, le criminel qui revient sur les lieux du crime, si on l'attrape, ça le regarde. Hein. Il a fait une bêtise ou une bonne chose. Je crois avoir fait une bonne chose. Donc, voyage d'identité, voyage aussi, par exemple, d'identité, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais », ce n'est pas pour rien. Qu'un écrivain d'origine haïtienne, un pays aussi dense politiquement, socialement, prenant, puisse arriver à écrire « Je suis un écrivain japonais », et ça veut dire que le voyage se poursuit dans des lieux même imaginaires, puisque je ne connaissais pas le Japon en écrivant ce livre. Je suis l'un des rares à avoir écrit un premier livre. Mon premier livre se passe à Montréal, et reste à Montréal, généralement. L'immigrant, l'immigré, il se souvient de son pays dans ses premières œuvres. Absolument. Absolument, il raconte un peu, il peut faire une sorte de confrontation entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Mais c'est pour recenser les clichés des deux côtés, pour dire que souvent j'étais bien là-bas, et puis là maintenant il y a des difficultés, disons, quotidiennes, concrètes et tout cela, tout en sachant que c'est faux, parce que s'il était si bien, pourquoi il est ici? Enfin, il y a toujours ce débat-là. J'ai évité ce débat-là, je ne trouvais pas que c'était important et pour en écrire. Et ainsi, j'ai préféré faire un plongeon dans la culture de Montréal, dans la culture québécoise ou même d'Amérique du Nord avec ce premier livre, « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer ». Donc je suis toujours en voyage dans mon enfance. Le voyage, c'est le pays où l'on ne peut pas retourner. Tout le monde peut retourner dans un pays quand on l'a exilé, mais on ne peut pas retourner au pays de l'enfance comme ça. On peut le faire par l'imaginaire, par l'émotion. Et donc j'ai voulu le faire, j'ai écrit des livres sur l'enfance. Je ne cesse de voyager dans des espaces à la fois réels et imaginaires. Alors, vous êtes francophone, militant. Pourquoi cette parenthèse, si je puis dire, en Floride ? Cette parenthèse en Floride, c'est la chaleur. Je ne pouvais pas retourner en Haïti, et à ce moment-là, pas pour des raisons politiques, mais c'est pour des raisons de... J'étais sorti, je ne pouvais pas retourner, je n'étais pas prêt. Parce que ce qui arrive quand on émigre, c'est qu'à un moment donné, on a des enfants. Et on se dit, bon, nous, on peut toujours retourner d'où l'on vient. Et on sait ce qui nous attend, et en bien ou en mal. Et on recherche des émotions qui nous sont proches. Il y a des choses qu'on aime et qui ne sont pas forcément extraordinaires, mais c'est par la nostalgie que ça prend une valeur, un côté rosé. Mais on ne peut pas imposer ça à quelqu'un de neuf qui doit faire ses propres nostalgies, qui doit créer ses propres mythologies, si l'on peut dire. Donc je ne voulais pas retourner en Haïti, ça aurait été pour moi, et non pour le reste de la tribu. Donc je suis allé dans un espace où on ne vivait pas, et qui avait la chaleur possible à Miami. Alors là, je suis allé là parce que je voulais écrire des livres. Je ne voulais pas, je commençais à être connu au Québec, et on commençait à me proposer des choses, et je ne voulais pas devenir autre chose qu'écrivain. Je suis allé là, et j'ai écrit une dizaine de livres pendant 12 ans, et quand j'ai terminé ce que j'ai appelé une autobiographie américaine, cette série, et je suis rentré avec ma famille à Montréal. Comment vous écrivez, Daniela Ferrière ? Vous faites les 8 heures ?
Ah non, non, je ne sais pas. C'est vraiment, quand je ne peux pas faire autrement, j'attends. Et les livres, vous savez, ils arrivent de deux manières, un peu comme la grippe. Si vous la soignez, ça dure deux semaines. Si vous ne la soignez pas, ça dure 15 jours. Donc, c'est la même chose. Et c'est le temps. Et donc, j'attends que ça déborde et que je ne puisse faire autrement que de m'y résoudre, hein, à écrire le livre. Et puis là, je m'y mets. Et il n'y a pas de temps. Ça peut être n'importe quand, de jour. Mais les dernières années, j'ai écrit beaucoup entre 3h du matin et 7h. Stylo ou ordinateur ? Les deux. Je prends des notes à côté dans un cahier. Généralement, je prends des notes. Je travaille à la page que je vais écrire, mais surtout le contenu. Je note ce que j'aimerais bien. Que ce soit cela, le son, la musique et l'atmosphère du chapitre ou de la page. Et puis à un moment donné, je commence à pianoter un petit peu sur l'ordinateur pour écrire. Et puis à un moment donné, ça part tout seul. Et des fois, ce n'est pas du tout les notes que j'avais prises. Et donc j'écris de deux manières, de la main gauche et de la main droite. Alors, vous êtes un touche-à-tout aussi de l'expression, parce que vous ne vous cantonnez pas au livre, vous ne vous cantonnez pas au roman, vous avez fait des livres d'enfants, vous avez fait des films, et vous avez été un confrère, puisque vous avez travaillé longtemps pour Radio-Canada, où vous étiez chroniqueur. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez du journalisme en ce moment ? Parce qu'on dit que le journalisme est en crise, justement à cause de cette utilisation de l'ordinateur qui bouleverse complètement les choses. On a toujours dit que le journalisme est en crise, que le roman est en crise, que l'être humain était en crise, que c'est une expression qu'on aime bien, journalistique, hein, par ailleurs, et le mot en crise, et on aime bien. C'est-à-dire que moi, pour écrire, il faut que je sois en crise aussi. C'est-à-dire que c'est une situation d'extrême et où on espère qu'il arrive quelque chose de neuf. Et là, on se sent dans une pointe, sur une pointe là. Avec cette concurrence un peu parallèle presque entre la technologie, l'ordinateur, et l'ordinateur pour écrire des livres, comme l'ordinateur pour vendre des livres, pour acheter des livres. Donc le livre est en train de bouger, et j'imagine comme il a dû bouger, passant de la main du bénédictin à l'imprimerie de M. Gutenberg. Et ça a dû être un scandale, hein, quand on a su que le livre était à l'imprimerie. Et on voyait beaucoup de gens pouvaient le consulter. Ce n'était plus quelque chose de savant, presque de l'ordre du sacré, du secret. Et il fallait presque faire des signes kabbalistiques pour ouvrir un livre. Il fallait connaître des gens. C'est pour ça qu'il y a des classes sociales aristocratiques qui possédaient ce savoir-là et qui, on ne pouvait pas quand même inventer toutes les réflexions du monde tout seul. Et la mémoire du monde était dans les mains d'une petite aristocratie. Qu'elle soit d'église ou d'État ou encore des grandes familles. Et à un moment donné, on est allé à l'imprimerie. Même là encore, on a élargi l'aristocratie parce que je me souviens ou pas de la dernière bataille du livre qu'on a faite, c'était le livre de poche. Comment les aristocraties avaient réagi. Des gens ont dit non, c'est inacceptable. Et on a dit livre de poche égale livre de gare, égale les gens qui ne savent pas lire. Et on a commencé, dans certains cas, et par publier des livres faciles, parce que c'était à la portée de tout le monde. On a même continué, pour être publié en poche, il faut avoir un succès, et pour qu'on puisse éditer en poche. Donc toujours, donc, ce qui fait qu'on privilégie, on a privilégié pendant longtemps des livres faciles pour le livre de poche. Et tout ça parce qu'on a quand même levé le nez sur le lectorat et populaire et de poche. Donc c'est un combat. Ça a toujours été un combat, le combat du plus grand nombre, le combat pour essayer de savoir qui va lire quoi. Il y a d'ailleurs un grand philosophe chinois qui a dit, bon, si on laisse faire ça, on va se créer des problèmes extrêmement graves. On va donner des angoisses à des gens qui ne méritent pas d'avoir ces angoisses-là, c'est-à-dire d'avoir des pensées profondes, à lire et à réfléchir. C'est un extrême combat. Donc cette crise, elle est toujours courante et à chaque fois, elle revient. Mais laissez le grand nombre trouver la solution. Parce que je n'opine pas sur des choses comme ça
ou qui met en situation un grand nombre d'individus. C'est eux qui feront le choix, et ça se fera d'abord en douceur, et les gens qui sont là maintenant ne sont pas... C'est eux qui doivent prendre des décisions qui vont changer peut-être l'avenir, mais ce n'est pas eux qui bénéficieront de cela, qui auront à l'affronter. Et moi, je préconise la prudence dans ces cas-là, ne pas prendre trop de décisions pour ceux qui ne sont pas encore nés. Laissez les choses rouler, ils trouveront leur place, comme par exemple la photographie avait fait angoisser, fait suer la peinture au moment où elle apparaissait, et puis on a toujours la peinture et la photographie, hein, comme le cinéma avait fait peur à la photographie au moment où il apparaissait, on a toujours la photographie et le cinéma, comme la télé avait fait peur au cinéma quand il arrivait, les gens vont s'asseoir chez eux, c'est personnel, ils vont voir tous les films du monde, et puis bien sûr, moi là, en ce moment, je suis président du jury du Festival des Films du Monde, les salles sont pleines, parce qu'on aime. C'est une autre forme de regarder avec tout le monde dans une salle, une grande salle, un grand écran. C'est une communion particulière et différente de regarder individuellement et une télévision chez soi. Et comme maintenant l'Internet fait peur à la télé et en disant qu'est-ce qui va se passer, les humains aiment additionner, beaucoup plus que soustraire. Et n'ayons pas peur, comme on dit. Et les choses vont tomber d'elles-mêmes et d'autres vont surgir. Il y a une capacité de surprise qui ne peut arriver. La surprise n'arrive que quand on ne la force pas trop. Alors cela dit, ce que vous dites, ça montre que vous êtes quand même très sensible à cette évolution. Comme je l'ai dit, vous avez touché à tout en forme d'expression. Est-ce que l'auteur que vous êtes n'est pas tenté, puisque vous faites référence au livre numérique, d'ajouter des choses à l'écriture dans les livres qu'il écrit maintenant ? Comme, par exemple, lorsqu'on regarde un journal numérique, le journal numérique en offre toujours plus que le journal papier. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, ce que je sais. C'est une question, hein ? Oui. J'ai toujours évité de prendre le livre pour un objet sacré. Et j'ai réécrit beaucoup de mes livres. J'ai réécrit beaucoup de mes livres aux grandes dames des critiques et de long cours qui étudiaient. Vous savez, quand quelqu'un écrit un livre sur vous, il n'a pas envie que vous réécrivez le livre, vous rendez immédiatement caduque ce qu'il a écrit. Quand quelqu'un vous a traduit dans une langue étrangère, il n'a pas envie de savoir que le livre a été réécrit. Et ça dérange beaucoup. Je ne le fais pas pour déranger, je le fais parce que je ne crois pas que le livre soit un objet sacré, comme l'on dit. Je crois qu'il a été sacré parce qu'il y a eu des difficultés à intervenir dessus. C'est-à-dire que quand vous réécrivez un livre, ça coûte tellement cher à une certaine époque, ça coûtait tellement cher qu'il fallait garder la chose elle-même. On vous dit, vaut mieux écrire un nouveau. Donc ce n'était pas la littérature, l'écriture qui obligeait à cette attitude. Et face au livre, c'était tout simplement l'économie. Et ça a devenu comme si c'était la littérature même qui disait ce qui a été écrit, on n'y touche pas. Maintenant, on voit qu'on touche constamment sur l'Internet. On touche constamment. Je n'ai rien contre, mais je ne crois pas non plus qu'il faut croire, parce qu'on a cet espace-là, le remplir. Le remplir. C'est pas obligatoire. Au contraire, si on a beaucoup d'espace, il faut oublier l'espace. Et alors qu'avant, quand on avait peu d'espace, on était pris dans l'espace. On avait un peu d'espace, il fallait écrire de manière à combler cet espace. Donc, on était un peu coincé. Ça a donné ce que ça a donné. C'est comme ça que les choses se font. Vous leur donnez un petit espace, ils font. Vous donnez beaucoup d'espace, on fait. Donc, il faut quand même, maintenant qu'on a cette page infinie, quand on écrit sur ordinateur, la page est infinie. On peut rajouter de la vidéo, des photos, des dessins. On peut le faire et ça change la forme. Mais en même temps aussi, il ne faut pas que cette surabondance se fait parce qu'on a l'espace aussi. On se tromperait. Il faut faire comme on veut, c'est-à-dire ajouter plein de choses, mais pas parce qu'on a. Parce que sinon, on mettrait en question les règles du design. Dans une maison, quelqu'un est arrivé et a montré à un grand critique d'art, je crois que c'est Bernard Berenson, le grand critique italien, et lui a montré sa maison avec toutes les
des belles choses, mais de façon très discrète. Il a dit, vous voyez, M. Berenson, j'ai compris vos leçons. Vous avez dit, ne pas en mettre trop, sinon ça fait nouveau riche. Et tout, je n'ai pas mis trop. Et puis Berenson lui a dit, mais nu, ça aurait été mieux. Et donc c'est cela. C'est-à-dire, ne pas faire trop nouveau riche, c'est-à-dire occuper l'espace trop, sinon on perdrait le sens de quelque chose d'extrêmement important qui est le silence. La place du lecteur aussi. Et c'est ça, le silence. On perdrait ce silence-là et qui permet d'abord à la chose elle-même d'avoir une respiration et à l'autre d'intervenir. Et je me souviens de quelqu'un qui disait de Malraux, Malraux faisait un monologue où il entendait l'objection. Donc il était arrivé à faire un monologue, mais il entendait l'objection, ce que sinon, si on comble, si on dit, c'est l'abondance du pauvre. C'est l'abondance du pauvre qui arrive, qui trouve une table surchargée et qui mange beaucoup. Le premier jour, c'est bien, mais à un moment donné, on va avoir des maladies du corps qui viendront de cette gourmandise, de cette abondance qui n'est même pas liée à l'appétit, qui a le goût de se goinfrer, parce qu'on va devenir les goinfres. Il faut faire attention à cette liberté, fausse liberté, et garder aussi... parfois un style maigre. Alors, ce style maigre, en tant qu'agenceur des mots, vous l'avez aussi, j'allais dire, phrase par phrase. Vous faites des phrases courtes, vous faites pratiquement des phrases de journaliste. Oh oui, j'aime beaucoup le journalisme. Je crois que c'est fondamental pour l'écriture. Un grand écrivain américain, Hemingway, disait, il avait vu au train, il dit, c'est pas possible, tout le monde lit le journal. Si on écrivait comme ça, si on écrivait un journal quotidien, mais qu'on peut lire dans 200 ans, et qu'on appellerait un livre, si on écrivait des histoires aussi, comme il y en a plein dans les journaux, mais on essoufflait à l'intérieur quelque chose qui rend un peu plus long, qui donne une énergie, qui fait durer. Si on pouvait faire des livres aussi transparents que le journal, dont le but c'était d'être lu rapidement pour avoir l'information ou la pensée, mais en même temps, pas en dessous, sans que le lecteur ne le sache, mettre une énergie qui fait que la personne aurait le goût de revenir dessus, revenir, de laisser à sa famille et ces livres-là, ces phrases-là. Alors il a fait cette manière qu'on connaît, et Hemingway qui a révolutionné un peu, d'une certaine manière, la littérature. Il était journaliste aussi. Et moi, je crois que c'est cela pour moi, l'écriture, c'est le journalisme. Je viens du journalisme là-dessus, qui est une espèce de genre très curieux, un goût de s'exprimer le plus clairement possible, de se faire comprendre le goût de l'autre totalement. Et avec ça, moi, je me suis dit, si j'écrivais des nouvelles intemporelles, des nouvelles, pas des nouvelles dans genre nouvelle littérature par rapport au roman, mais des nouvelles tout simplement. Des nouvelles intemporelles, c'est-à-dire, je vous ai dit tout au début de la conversation qu'on a eue, je n'aime pas personnaliser les choses. Si je racontais quelque chose de personnel et après effacer la trace de l'individu que je suis, ça deviendrait une histoire, disons, intemporelle. Et c'est du journalisme intemporel, pour moi, le roman, l'écriture. Alors, vous avez... comme je l'ai dit encore une fois, touché à tout. Est-ce que vous êtes aussi à l'aise dans l'image ? La construction de films, vous en avez fait. Oui. Vous êtes jury au festival. Vous êtes à l'aise aussi avec l'image ? Ben, oui, parce que, pas parce que j'ai du talent, et parce que je crois que pour la littérature, je l'ai dit, pour écrire un livre, je crois qu'il faut être écrivain avant de commencer à écrire. Et pendant, c'est trop tard. Et après, c'est déjà fait. Pourquoi je dis ça? Ça a l'air d'une phrase, d'une formule. Non, c'est parce que écrire un livre, c'est rentrer dans un tunnel. Si vous y rentrez pour de mauvaises raisons, parce que, par exemple, je veux faire un livre, j'aimerais faire un roman, je crois que ma vie serait mieux si je faisais un roman, ce qui est une mauvaise raison, parce que vous n'avez pas quelque chose. L'autre n'a pas de place dans une sorte d'une formulation pareille. Donc, vous allez chercher un bon sujet qui pourrait vous donner une sorte de belle lumière. Donc, vous allez faire tout en construction de ça. Je cherche un bon sujet. Moi, je sais écrire, mais je ne sais pas quoi écrire. Alors qu'il faut écrire précisément quand on ne sait pas quoi écrire. Et c'est surtout, c'est avec ce vague-là que l'écriture arrive, et non avec un bon sujet
qui nous met en lumière, qui souvent a été déjà fait, et ensuite qui nous met dans un tunnel d'écrivain, l'écrivain qui cherche son sujet. C'est pour ça que souvent on entend beaucoup de jeunes gens qui disent « moi, j'ai pas encore de sujet, je... » Non, un écrivain ne cherche pas de sujet. Au contraire, il fuit le sujet. Je crois que Céline disait cela aussi beaucoup. C'est le style, l'émotion. Il doit fuir les sujets. C'est quand il n'y a pas. C'est dans la rue que j'entends des gens qui me disent « Ah, monsieur Laferrière, vous savez, ma vie est un roman, précisément. N'en faites pas un. » Non, mais je vous posais la question du cinéma, parce que le cinéma, c'est aussi un travail d'équipe. On est plusieurs. L'écrivain, il est seul devant sa table. Metteur en scène, réalisateur, c'est un travail d'équipe. Il y a toute une équipe autour. Vous êtes à l'aise avec cette façon de créer ? Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Quand j'ai fait le film, je n'ai pas appris à faire du cinéma. Je voulais savoir si je pouvais faire un film sans jamais être à une école, sans jamais m'intéresser à savoir comment faire. Parce que c'est aussi un de mes credos, c'est-à-dire faire sans apprendre, je crois. Et, l'autodidacte intégral. Oui, c'est Mozart que j'avais entendu qui avait dit cela. Et un jeune homme qui s'était présenté à lui, il a 26 ans et il a joué pour Mozart. Il lui a dit « Maître, est-ce que je peux donner un concert ?» Mozart a dit « Évidemment, non. » Il a dit « Mais comment ça ?» Il dit « Vous êtes trop jeune. » Il a dit « Mais maître, vous avez donné des concerts à 4 ans. » Il dit « Mais j'avais rien demandé à personne. » Donc c'est ça, si vous n'êtes pas majeur, et je crois, il y a un philosophe chinois qui dit aussi « Ce qui est bien ne s'enseigne pas. » Et donc, c'est avec sa personnalité et qu'on fait, je me suis dit est-ce que je peux faire un film ? Et c'est comme ça que je me suis lancé dans ce film, « Comment conquérir l'Amérique en une nuit ?» Et d'ailleurs, la phrase que j'ai dite à l'assistante à la réalisation, sachant que je ne sais pas du tout rien du cinéma d'une certaine manière, faire un film, et c'est souvent quelqu'un qui sait faire les choses, mais qui soit ne prend pas la responsabilité du film, il y a des gens comme ça, timides, qui ne veut pas se mettre en avant, qui ne veut pas souffrir aussi quand les critiques arrivent. Il y a de grands assistants réalisateurs meilleurs, mais seulement celui qui fait le film, c'est quelqu'un qui a le courage de plus d'attendre la gifle après. Alors quand elle voulait cacher derrière moi prendre la direction du film, je lui ai dit « Écoutez madame, ce sera mauvais et ce sera mon film. » Donc c'est cela, mettre le pied par terre et reposer la question non. Et non seulement du savoir, mais vous reposez la question du contre-ordre. Du contre-ordre. Et le cinéma m'a plu tout de suite, d'abord parce qu'il est proche de l'écriture. Et d'abord, ça s'écrit sur une page, ça prend un écran. Il y a de la lumière aussi. Un romancier doit savoir mettre la lumière dans ses livres. La question du temps, et c'est la même chose. La question de l'attente, bien sûr, le budget, c'est là le problème de la littérature. Le budget n'a pas de fin pour le romancier, mais un bon écrivain doit savoir le prix des choses. J'ai même demandé dans un de mes livres, Journal d'un écrivain en pyjama, à ce que l'éditeur, quand il reçoit un premier livre, fasse le compte de tout ce qui a été dépensé dans le roman et fasse payer à l'auteur les excédents, comme on fait dans tous les autres métiers. Les mauvaises dépenses. Tu vois, l'écrivain qui dit mon auteur, mon personnage principal est allé à Tokyo ce matin, pourquoi ? Vous ne savez pas combien ça coûte ? Vous croyez que c'est comme ça ? Pourquoi il ne va pas en face chez son voisin ? Ça coûterait moins cher. Comment faire au cinéma ? Ou dans le journalisme, le grand reportage commence de l'autre côté de la rue, disait oui, Albert Londres. Absolument. D'ailleurs, dès qu'on, au Monde, autrefois, on disait à Hubert Méry qu'on allait en reportage, il vous disait, vous ne connaissez pas quelqu'un à Lisbonne qui pourrait vous héberger ? Parce que nous, au Monde, on n'a pas d'argent. Donc, il faut connaître le prix des choses. Et on le sent, et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une conscience de la vie quotidienne, de la vie réelle. Et si l'on veut faire du roman, et cette conscience-là, on l'a au cinéma. Je me souviens, j'avais écrit mon scénario en disant « il neige », premier mot. Et le producteur a dit « Pourquoi il neige ? » Vous savez, ça coûte cher. Hein? Et j'ai dit « Bon, il pleut. » Il dit « Mais ça coûte aussi cher. » J'ai dit « Mais bon, il sort. Pourquoi il sort ? On a déjà mis la lumière préparée. Ne le faites pas sortir parce que ça coûterait trop cher. » Donc, j'aime bien ça. Ce rappel au réel. Des contraintes et ce rappel au réel aussi. Ce rappel au réel, les choses ont un prix. J'ai toujours vu ma mère compter, faire des petits budgets le matin avec ses piécettes pour savoir si on va pouvoir manger. Et pour moi, ça, c'est de la mise en scène. Un peu comme Lénine parlait de la,
de la cuisinière, de donner le ministère de l'économie à la cuisinière. Et c'est cela. Et pour moi, le cinéma, et c'est pour ça que je le trouve très proche du genre du roman que j'aime faire. Le découpage en images, c'est quelque chose que vous faites aussi quand vous écrivez ? Spontanément, tous mes livres, c'est avec des cours ou chapitres. J'écris des romans pour que les chauffeurs de taxi puissent les lire au feu rouge. C'est-à-dire des choses courtes, des images brèves. C'est à cause de ma grande peur de l'ennui. Je m'ennuie vite. Dès que ça s'étire, je m'ennuie. Alors je me suis dit, si je m'ennuie, pourquoi vouloir ennuyer les autres ? Pourquoi ne pas garder cette expérience dans ce que je fais aussi ? Les autres peuvent s'ennuyer aussi. Et puis, donc j'aime le découpage, j'aime le montage, j'aime l'idée. Je le fais, je conseille même d'ailleurs, j'ai conseillé dans mon roman, dans mon livre plutôt, Journal d'un écrivain en pyjama, aux jeunes écrivains d'écrire leur livre et d'enlever les deux premiers chapitres au moment de, après avoir terminé. Parce qu'ils sont toujours en longueur, ils croient qu'ils doivent introduire. Alors le montage précisément du cinéma nous dit que la vie n'est pas quelque chose où l'on commence par le commencement pour raconter à celui qui vient d'arriver ce qui s'est passé quand il n'était pas là. Tu n'étais pas là ? Eh bien, c'est comme ça. Tu arrives au milieu de la conversation, les gens ne s'arrêtent pas pour vous faire un bilan de la conversation. Ils continuent et vous cherchez à comprendre. J'ai dit, mais écoutez, enlevez vos deux premiers chapitres, peut-être vous le mettrez plus loin, pour que le lecteur ait l'impression qu'il est entré par effraction dans votre livre. Alors, on va revenir à l'actualité, parce que sans quitter le discours qu'on tenait actuellement, là, on a beaucoup écrit sur les réfugiés, on a beaucoup écrit sur ces mouvements de population partout, il y a eu beaucoup de textes là-dessus, de très beaux textes souvent, et là, c'est une photo qui a bouleversé le monde entier. Comment vous vous expliquez ça ? C'est toujours comme ça. Et nous avons des émotions particulières. Vous savez, l'esclavage a été extrêmement terrible aux États-Unis. Il y a eu le racisme qui a suivi, a été terrible. Beaucoup de gens ont été tués, pendus par les grands arbres, les grands magnolias du sud des États-Unis et des Noirs pour rien, parce qu'ils ont regardé une femme blanche. Et des choses comme ça, ce qui était terrible, qui a provoqué la chanson de Billie Holiday, fruits sauvages, les fruits sauvages, ce sont les gens pendus aux arbres. Et qu'on voit. Donc, ça a été terrible. Il y a eu des manifestations, des droits civiques, maternité, Kintu, et pourtant, c'est une femme, Rosa Parks, sans militance politique à l'époque presque, qui a simplement refusé de se lever parce qu'elle est une femme, parce qu'elle était fatiguée. Parce qu'il n'y avait aucune raison de se lever dans une place qui était vide pour passer à l'arrière et qui a provoqué, vraiment qui a donné une impulsion nouvelle au mouvement des droits civiques. Nous ne savons pas comment se fait et la conscience, et l'émotion humaine, comment elle agit. Et nous croyons qu'elle agit sur des choses spectaculaires, extravagantes. Et nous ne savons pas aussi quelle est la goutte qui fait déborder. Nous ne savons pas. C'est une machine extrêmement complexe, la machine humaine individuelle et la machine humaine collective. Et quelque chose, quelque part, je crois qu'elle attend souvent une innocence, qu'elle attend souvent quelqu'un qui n'est pas impliqué. Pas forcément un enfant seulement, un enfant dans un mouvement, parce que des enfants meurent sans cesse, tués dans des conditions horribles chaque jour, dans le monde entier, des enfants battus, tués. Et là, ça prend cette situation politique, sociale, réelle, humaine, ça prend cette innocence, ça prend aussi le symbole de la mer MER, qui est une des grandes symboliques du voyage. Le voyage, et c'est par la mer depuis l'origine de la littérature, depuis l'Odyssée. Tout ça pour qu'à un moment donné, ça fasse mouche. Ça se cristallise dans l'esprit humain et devienne quelque chose qui reste. Il y a quelque chose qui s'accroche à son cœur et prend un espace. C'est-à-dire, brusquement, tout le monde se reconnaît dans cette émotion-là, pas dans cette situation-là, mais dans cette émotion-là. Et on ne sait pas quoi, il peut arriver 30 enfants qui meurent, on a vu 36, et brusquement, ça ne fait pas ça. Personne ne peut prévoir ça, comme aucun éditeur ne peut prévoir un best-seller. Sinon, on l'aurait construit, on l'aurait confectionné. On a essayé, d'ailleurs, politiquement.
de confectionner des morts, des trucs, pour essayer de toucher et l'émotion humaine, de mettre des situations, de faire sortir des morts. On l'a fait contre des dictatures. Et des fois, ça ne marche pas. Mais brusquement, je crois que pour que notre émotion vibre, il faut vraiment des choses que je n'arrive pas à dire c'est quoi. Mais l'innocence a un point là-dedans. Et quand elle tombe par une journée particulière dans une situation qui réunit toutes les symboliques dont je n'ai pas le sens des paramètres, brusquement, ça fait tilt et ça touche. Et là, ça a touché fortement et j'espère durablement.